Allô, le numéro 47 de la page 243, on vous dit sans lunettes, mon punctum remotum, donc lui qui est le plus loin là, est à 2 mètres. Hein? Puis avec mes lunettes, en fin de compte, mon punctum proximum, l'endroit où je peux voir les objets les plus proches, là, c'est à 28 cm. L'idée, c'est que si j'enlève mes lunettes, où est rendu ce punctum proximum là? Donc, pour arriver à trouver où est le punctum proximum sans lunettes, j'ai besoin de la focale. Puis pour trouver la focale, ben, je vais la trouver avec cette idée-là. Donc, sans lunettes, mon punctum remotum est à 2 mètres. Ça veut dire que les objets qui sont à l'infini, je vais faire quoi? Hein, quand je vais les corriger avec mes lunettes, je vais prendre les objets à l'infini, je vais en faire une image à 2 mètres. Donc, encore là, je vais refaire le même principe, là. P va être à l'infini, mais Q, image virtuelle, à moins 2 mètres. Et ça va me donner, dans le fond, ma longueur focale. Bon, là, je peux rester en mètres ou en centimètres. Moi, je vais y aller en centimètres. Fait que je vais mettre moins 200 cm. Ce qui va me donner une longueur focale en centimètres pour aller avec le 28 après. Je trouve ça plus pratique. 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Bref, ça donne 0. On se rend compte que la longueur focale est donc de moins 2 mètres. Hein? Donc, la focale, c'est égal à moins 200 cm en fin de compte. Ça équivaut à, si vous aimez mieux, ben, 0,5 dioptrie, moins 0,5 dioptrie, une demi en fin de compte, si on le faisait en dioptrie. Bon, là, je reste avec ça. Maintenant que j'ai trouvé ma focale qui corrige mon problème de myopie, je peux aller voir mon punctum proximum. Qu'est-ce que je sais? Je sais que, dans le fond, le punctum proximum avec les lunettes, l'endroit le plus proche que je peux voir, c'est 28 cm. C'est-à-dire que les objets sont placés à 28, mais ils me font une image à quelque part qui est quand je suis sans lunettes que j'arrive à voir en fin de compte. C'est le principe. Fait qu'ici, dans le fond, ce que je vais avoir les objets sont placés à 28 cm et je cherche ces objets-là qui sont le plus proches avec mes lunettes, vont faire une image à quel endroit que je peux voir donc sans lunettes. Si ma focale est de moins 200. On sait que l'image va être virtuelle, mais ça va être la distance entre mes yeux et ces objets-là quand je n'ai pas de lunettes, en fin de compte. Ça me fait 1 sur 28 plus 1 sur Q est égal à 1 sur moins 200. Et là, je suis capable de trouver mon Q. Donc, quand je le pitonne, donc ça fait 1 sur 200 négatif. Moins 1 divisé par 28, le tout inversé. Et j'arrive à moins 24,56. Ce qui veut dire qu'il faut que je place, dans le fond, mais pas qu'il faut que je place, c'est que les objets à 28 ont fait une image à 24 que je suis capable de voir. Donc quand j'enlève mes lunettes, ben, je peux voir les objets qui sont à cet endroit-là, mais pas plus proche. C'était ça l'idée. Donc, le moins veut juste dire que j'ai créé une image virtuelle, là, mais on sait que la distance, c'est 24,56.